この程度か。つまらんやつめ。自分を信じるしかねえよな。それとも修行を思い出すかな。お先、俺が世界を変えてやるぜ。Salut les amis, c'est Liala, comment allez-vous? Moi je vais super bien et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de notre Let's Play consacré à Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 sur PS2, un jeu vraiment excellent que je vous conseille encore une fois comparé aux Dragon Ball qui sont sortis sur PS3 et 360. Ceux de la PS2 restent tout de même au-dessus de ce qu'on a pu avoir ces 7 dernières années sur ces consoles-là. Donc au dernier épisode, on a affronté C-17 et C-18 dans l'histoire de Trunks et je me suis fait éclater, j'étais un petit peu agacé j'avoue, mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, j'étais pas très très chaud, en plus il était tard, je ne cherche pas d'excuses, mais voilà, je vous explique ce qui se passait à ce moment-là. Il était tard et puis je voyais pas clair, je voyais plus les boutons de la manette, on va dire. Donc c'était chaud. Donc on va reprendre directement le scénario principal de l'histoire hein, avec la saga des cyborgs. Donc on va affronter des mecs très très chauds comme C-17, C-18, Cell, et peut-être C-16, je sais pas, je sais plus, je me rappelle plus, mais on va voir ça tous ensemble. Et on aura du super guerrier à foison, et ça va être vraiment être super. Regardez-moi cette skin de notre cher ami Sangohan SS Super Saiyan 2, vraiment très très joli. Allez hop, c'est parti, on y va. ナメック星の激闘でフリーザを倒し、地球で平穏に暮らす Z 戦士たち。そんな彼らの前に人造人間セルが現れる。次々と傷つき倒れていく仲間たち。悲しき未来を変えるため、父の意志を継ぎ地球を守るため、新たな救世主として時代を託された孫悟飯は怒りの超戦士として覚醒する。Hop, on contrôle notre cher ami Trunks-sama, le fils de Vegeta. De toute façon, c'est pas un spoiler, hein. Mais que si je le spoil maintenant, après 20 ans ou 30 ans de Dragon Ball, c'est qu'il y a un problème, hein. Il y a un problème, les amis. Donc, on va directement accéder au combat hein, contre Frieza-sama, Mecha Frieza-sama. Donc, on va essayer d'être performant. Son Goku n'a pas changé maman, il y a 1 an qui a passé.復讐に燃えるフリーザが地球に迫っていた。だがそこに謎の少年が現れ、パワーアップしたフリーザと対峙する。スーパーサイヤ人は悟空さん一人じゃない。ここにもいたということだ。何？Donc vous avez vu la coiffure de notre cher ami Trunks qui est vraiment très originale comparée à la coiffure des autres super guerriers, que ce soit Sangoku, quoique Sangoku ça va, elle est pas mal sa coiffure, mais Sangoku ou Vegeta qui change pas trop, qui devient juste blond, celle de Trunks qui voilà en forme de crabe et tout, c'est un truc de ouf. Hein. Sa coiffure déjà de base, coupe au bol et sa couleur de cheveux, son style, Trunks reste pour la plupart des gens un personnage très très charismatique, et je comprends pourquoi, parce que vraiment avec son petit gilet
Et cette petite tenue de la Capsule Corp, c'est vraiment quelque chose de très 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 puissant au niveau du steel. Bon, on va se concentrer pour vaincre. Ok, d'accord. Il commence direct avec des rayons de la mort. N'oubliez pas, les rayons de la mort, c'est une technique imparable. Hein. Vous pouvez pas vous protéger. Le mieux, c'est de l'esquiver en se téléportant ou en se déplaçant sur le côté. Donc là, vous avez vu, on a commencé avec un petit combo 5 hits. Alors, on voit une burning attack dans les dents. Hein. On fait comprendre que nous, on n'est pas là pour rigoler. Hop. J'ai vu un maîtrise du jeu, tac, hop, tac. Voilà, ce combo, j'ai dit plusieurs fois que je l'adorais. Vraiment, ce jeu est vraiment très très fun à jouer, très très plaisant. Comparé aux DBZ qui sont sortis sur PS3 et Xbox One. Là, je me suis fait avoir. Donc, on va essayer de le terminer comme dans... Voilà, il va spammer de sa technique imparable. Parce que Frieza-sama est un lâche. C'est un super lâche. On va pas trop. Voilà, là, on va se concentrer. On va utiliser cœur ardent. Paf! Ah ouais, parce qu'il faut oublier que Trunk. Trunk est un demi-CN. Donc, il a les mêmes capacités que Sangohan. C'est-à-dire que quand il se met en colère, il devient super balèze. Donc, on finit comme dans l'anime. Avec le spécial de Trunks. Voilà, c'est terminé. Trunks est vraiment très très puissant. Alors dans le dernier épisode, j'avais pas trop bien le manier, donc je suis un petit peu parti en mode entraînement, histoire de revoir un petit peu comment il se battait notre petit Trunks à l'épée. Et voilà, maintenant c'est bon, j'ai le coup de main, je le maîtrise un petit peu mieux que dans l'histoire de Trunks. そして悟空の帰還、その全てを知る少年の名はトランクス。彼はブルマとベジータの息子であり、タイムマシンに乗り未来から過去へやってきた。3年後に現れる強敵、人造人間を倒し、地獄の未来を変えてもらうために。もし生きていられたら必ず応援に来ます。 3年後に。生きろよ。いい目標ができた。こっちもその積もりで修行すっさ。そして月日は流れ、運命の日が昇る。果たして人造人間とは。新たなる激闘の幕が上がる。 Allez, on sauvegarde tranquillement. Donc vous avez vu, hein, l'histoire est quand même assez bien racontée, même s'il y a des petits oublis comme ça, gauche à droite. Mais bon, c'est pas réellement un problème au niveau... cette époque-là, quand le jeu est sorti en 2003, je crois. Je sais plus. 2001. Je sais plus. Donc on contrôle Yamushazu. Ok, Yamcha, ça va être chaud. Avec Yamcha, moi je veux pas me battre. Ah oui, on va se battre contre C19 et C20. Avec Yamchazu, ma mine voyante, non, on va aller ici. Je crois qu'ici il y a un truc d'entraînement. Sanctuaire, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Ça va être chaud parce que je sais pas si j'ai les bons potala pour pouvoir combattre avec lui. On va aller voir ça tout de suite. Après la livraison d'Isaiko Senzu, un assaillant aérien détruit la voiture de Yajirobe. Les super guerriers recherchent frénétiquement les mystérieux assaillants. Allez, c'est parti. Hop, on va choisir
les évolutions Z qu'il faut pour tenir le coup pendant le combat. Alors on va lui mettre un petit casse plus 3. Oh bordel, en plus j'ai pas les... Ça va être chaud. Hein. Ça va être très très chaud. Deux casse plus 3, casse plus 3. On a un petit casse plus 3. Je pense que je vais être obligé de lui mettre que des trucs niveau... Putain, est-ce que j'en ai des niveaux... Niveau 19, non. Ça va être dur. Ça va être très très dur. Niveau 13, ok. Hop. On va mettre de la défense. L'attaque avant. 12, 13, j'en ai niveau 13. Mettre de la défense. Ça va être chaud. Ça va être très très chaud. Parce que Yamcha, c'est pas le meilleur combattant du jeu. Un peu de vitesse quand même. Hop. Vitesse, après on va augmenter le Kiko à 2. Pour faire des Kamehameha assez bien placés. Et on va le mettre aura aussi pour avoir du ki directement dès le début du combat, c'est pas mal. C'est pas mal comme combinaison. Est-ce que j'ai de okay, aura plus 8. Voilà, c'est parti. Non. Hop. Ah, on peut voir que Yamcha fuit de survivre. Bon, moi ça va, là il faut juste survivre. Faut essayer de survivre, faut pas gagner le combat, ce qui est beaucoup plus difficile. Alors comme vous pouvez voir, Yamcha a servi de modèle pour créer le Sangwan qu'on connaît dans la version Boo, dans la saga de Boo. Ah, je fais quand même pas mal de dégâts, je pense que je peux les éclater. Ouais, pas mal Yamcha là, tu me fais plaisir. Alors comparé à Krillin, Yamcha il a des meilleures techniques hein, parce qu'il a une, il a une attaque suivie et il peut faire avec Kamehameha, donc voilà. Okay. J'ai pas pu l'esquiver. Il a bien vu que... Hop. Fait un petit combo là, sympathique, si hit. Hop, on poursuit l'adversaire. Et là, je fais la technique du loup. Là, par contre, elle va pas assez loin, la technique. Voilà, concentre. Hop. C'est pas mal. On suit jusqu'à l'enfer. Paf. Technique du loup bien placée. Alors je sais pas ce qu'il y a. Extrême limite. Ok d'accord. C'est pas mal extrême limite aussi. Bon je pensais que j'allais me faire éclater mais en fait. Yamcha était tellement chaud. Il a tenu le coup, j'aurais pu gagner. Bon, c'était pas le but. Le but de ce combat. Parce que normalement, Yamcha, j'ai gagné beaucoup de ennemis. Yamcha, normalement, il s'est défoncé. On lui aspire son énergie. Et il crève. Il est entre la mort et la vie. Dans l'au-delà. Je sais plus si on lui donne un Aiko Senzu pour le réanimer. Je sais plus. Je me rappelle plus. Tétanisé par la peur, Yamcha succombe à l'attaque des cyborgs. Mais conscient du danger couru par Yamcha, Son Goku et ses amis accourent. Son Goku. Thank you.
Bon, oh la vache, grosse panique. Bon, on vient de gagner, on vient de finir le combat avec Yamcha, on va enchaîner directement. Je vais pas essayer de... Quoique si, attendez, je vais voir un truc. Parce que là, comme je l'ai dit, comme mes personnages sont déjà à un niveau assez élevé, j'ai pas besoin d'aller m'entraîner tous les 4 secondes pour les faire monter de niveau. Juste voir s'il y a des boules de cristal, des Dragon Ball disséminées un peu partout dans les endroits qu'on peut visiter. Histoire quand même de les récupérer. Donc... hop, je suis mamie voyante. Pour l'instant, je peux pas acheter de nouveaux objets intéressants parce que je dois terminer cette saga. Je dois battre celle pour débloquer la carte de membre argent. Parce que là, je suis membre bronze, donc j'ai des techniques de bas niveau que je peux acheter chez elle. C'est pas très très intéressant. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Vers notre cher ami Cell, Perfect Cell. Vas-y. Hop. Il n'y a rien ici, on se barre. On se casse. On va continuer le combat. Alors, hop. C19. C19 et C20 se montrent enfin. Le docteur Gero, un savant ingénieux de l'armée du Ruban Rouge. Oula, j'ai rien capté ce que je viens de lire. Il s'agit d'un robot militaire conçu par le docteur Gero pour prendre sa revanche sur Son Goku. Allez, c'est parti. Alors moi, je vais prendre notre cher ami Piccolo qui est tellement puissant, qui a tellement la classe. Et on va faire ça comme ça. C'est parti. Normalement, j'aurais besoin juste de Piccolo. Hein. J'ai pas besoin de tous les autres. C'est juste pour la beauté. La beauté du combat. Et Piccolo, il va s'occuper de tout le monde là, comme ça, rapidement. Tellement puissant ce mec là. Kurae! Hop. Oula, 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 oula. On va se calmer. Ce 19 est un peu trop vénère. Allez, c'est parti, à mon tour de contre-attaquer. On a bien joué. Mange ça, mon pote. Ah, à chaque fois, j'oublie, bordel de merde. J'oublie de relâcher. Si je relâche pas, il fera pas le mal au Sempo. Je vais te calmer. Ah, ce que vous venez de voir là, il vient de récupérer de l'énergie pendant que je lui ai balancé. Dommage.
Je balançais mes boules de feu, il a la capacité de récupérer de l'énergie. Donc je rechargeais grâce à nos boules de feu, comme dans l'anime. Chop de chacal, ça. Récupérer quasiment une barre. Ah nom de Dieu. T'as mis KO Piccolo, quoi. Oh nom de Dieu. C'est chaud. Non, pourquoi il m'envoie Tenshin Han? Il est mauvais, Tenshin Han. Je l'ai pas Tenshin Han. Il va se faire éclater. Tenshin! J'arrive même pas à avoir des énergies. Ok, ok, d'accord. Je vais me faire allumer. Ok, c'est fini pour Tenshin Han. Bon. C'est abusé ça. Même pas le temps de réagir, quel mec il était déjà là. Wouah! Le mec qui va récupérer tous ses points de vie. C'est quoi cette blague? Putain. Lolo. T'as pas vénère le mec. Attends, je lui ai rien fait. Hein. T'as la manette qui réagit plus. Non, mais qu'est-ce que tu me fais un chop là, Goku? T'es fou ou quoi? Ouais, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. C'est chaud. Très très chaud. On va rester au sol puisque sinon. Ouais, c'est terminé. Oh là là, eh, on a perdu deux combattants. Hein. Piccolo et Tenshin Han. Dans ce combat un peu bizarre hein, tout de même. Je pensais qu'avec Piccolo j'allais terminer le bonhomme, mais j'ai pas encore la technique, le niveau pour prétendre vaincre des cyborgs. Frappé d'une attaque cardiaque en plein combat, Son Goku ne peut pas résister à C-19. Cependant, sa fierté de Saiyan aidant Vegeta entre dans la bataille. Petit sauvegarde. Allez hop, on contrôle Vegeta-sama, le prince des super guerriers de l'espace, de la planète Vegeta qui a été détruite par notre cher ami Frieza-sama qui n'est plus avec nous parce qu'on s'est occupé de lui au moins 6 fois. Et hop, on continue directement, on n'a pas besoin d'aller faire le fou. Alors je suis pas sûr que j'ai l'équipement adéquat pour ce Vegeta. Faudra peut-être que j'aille récupérer l'équipement. Alors que Son Goku est aux prises avec les cyborgs, son pire rival arrive, Vegeta. Bon, on va contrôler le prince des cyborgs, ça va être chaud, j'ai pas ce qu'il faut. Aïe, 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 ça va être tendu, ça va être tendu, ça va être chaud. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de se battre comme ça, niveau 8, parce qu'on est des chauds. Si c'est pas possible, je fais une coupure. Je vais chercher les artefacts qu'il me faut, parce que c'est pas possible. Hein. C'est pas possible.
Je vais le prendre sur les Vegeta, Vegeta que j'ai utilisé sur Namek. Hajime. Normalement je dois lui faire assez de dégâts, il n'y a pas besoin d'être... Parce que le Vegeta là il est en mode... c'est le deuxième Vegeta. Et il est très puissant. Il s'est entraîné comme un malade dans sa capsule là. Pour attraper le niveau à Goku et à Trunks. Namernaio, ne me sous-estime pas hein. En Jap. Hop. Wow, normalement ça devrait le faire. Mais hein. Je vais quand même aller chercher. Ah, j'aurais dû lui équiper quand même des artefacts là. Pour les faire monter de niveau, ça aurait été pas mal du tout. J'ai pas bien joué là à ce niveau là. Ouais, comment c'est plus facile de jouer avec Vegeta parce que c'est un mec fait pour la baston, pour le corps à corps. Comparé à. Wow, le mec il a contourné la falaise. Par contre, ouais, par contre, quand il fait un combo de barres, ça fait mal. Hein. Oh là là, deux barres. La tenue elle est déchirée. J'aurais pas le choix, nom de Dieu, je vais mourir. Je me suis un petit peu trop enflammé. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que je vais récupérer les artefacts? Ou est-ce que je vais lui mettre des nouveaux? On va voir, on va essayer. Allez hop, j'ai décidé en fait d'aller rechercher des artefacts que j'avais équipés sur d'autres personnages pour améliorer la puissance de Vegeta-sama parce que ça allait être assez galère et j'avais pas le temps de galérer. Hein. Faut défoncer ces cyborgs pour arriver le plus rapidement possible à notre cher ami Perfect Cell, un de mes personnages préférés de la saga Dragon Ball Z. Je pense que c'est l'un des ennemis les plus charismatiques, donc on va passer ça parce qu'on l'a déjà vu. On va se mettre bien et on va faire mal. Donc là vous avez vu un niveau 116, hein, ça va être beaucoup, ça va être plus équilibré. Hein. À ce niveau là on va pouvoir enchaîner, faire des beaux combos. Sans craindre le coup fatal de l'adversaire. Voilà, j'ai vu sauter coup de genou de l'aigle qu'il a depuis la version Super NES. Donc là, vous avez vu l'esquive, puisque j'ai plus de vitesse, là je suis tellement puissant. Là, franchement, ça fait plaisir. Niveau rapidité, niveau engagement de Vegeta, ça n'a rien à voir avec son niveau 8 de tout à l'heure. Et là, ça, il a quoi d'autre? Voilà, excellent. Garikao. Canon dans les dents, transformation super guerrier. Ça va vite, très très vite. L'adversaire sait plus où il est. Dans les dents, excellent. Bon, on va essayer de le terminer avec le Bing Bang. Charge et là on va l'envoyer le Big Bang dès qu'il vient vers nous. Voilà, terminé, ça a été rapide, voilà. Un combat bien géré, sans pression, qui a duré même pas 2 minutes. C'est comme ça. Après s'être transformé en super guerrier, Vegeta écrase C19. Sentant la victoire lui filer entre les doigts, C20 file sans autre forme de procès. Donc, voilà, on contrôle Piccolo-san. On va... En plus, puisque là, c'est l'histoire principale, c'est la guerre.
la saga des cyborgs, donc il va y avoir plein de combats, ça va être super long, donc ça, je pense qu'il y aura trois parties, comme la saga des Namek et la saga des Saiyan. Sévin tente de gravir discrètement la montagne rocheuse, mais il ne parvient à ralentir la course des super guerriers. Des traductions, je capte plus d'un. Vegeta-sama, donc Piccolo parce qu'il est chaud, il veut se battre. Vegeta, Krillin et Tenchihan. C'est parti. Docteur Gero. Oh la vache, mec, il arrive direct avec une vague déferlante. Ah, j'ai pas réussi à faire mon attaque suivie. Voilà, ça sert à rien à voir qu'on a un personnage qu'on maîtrise. Voilà, ça va tellement rapidement. J'ai dit Piccolo, c'est vraiment un mec très très chaud. Allez, où la Dragon Ball? Dégage, j'ai vu la Dragon Ball. Elle est là. Voilà, ça va être... Lâche-moi, s'il te plaît. Je veux cette Dragon Ball. Va-t'en. Le mec, il lâche pas l'affaire. Oh, tant pis, on n'a pas eu la Dragon Ball. Tant pis. C'est triste. On va se terminer, vous avez vu avec Piccolo, hein, on rigole pas, hein, elle est là pour faire mal. Pour faire mal à l'adversaire, pour lui faire comprendre que voilà, c'est Piccolo-san. C'est pas Krillin ni, ni Yamcha. Craignant pour sa vie, Sévin regagne son labo secret et active C17 et C18. Trunks vient aider le petit groupe à traquer Sévin avant qu'il ne soit trop tard. Oh bordel, oh là là, attends, il est où? Il est parti où? Il est là-bas. C'est une phase de jeu assez marrante tout de même. Je vais plus vite que lui. Mais je peux pas le rattraper. C'est chaud. J'ai vu qu'on a traversé le territoire enneigé, il y avait de la neige qui tombait. Les gars, on est sur PS2. Faut pas oublier. Faut pas l'oublier. Il est là. Arrête de faire le con, Gero, là. Là, j'ai pas que ça à foutre, moi. Le problème là, c'est que j'ai amélioré Krillin, donc ça se voit qu'il est beaucoup plus rapide, hein. Je lui ai mis de la vitesse en plus et tout. Ça, je le rattrape assez rapidement, mais le jeu il veut pas quoi. Je ne veux pas. Ouais, c'est bon là ou quoi? Oh là là. On va pas lui balancer une boule de feu. C'est bon, voilà. Ah là là. Séparé des autres, Krillin tombe nez à nez avec Sévin. Krillin ne peut pas battre le cyborg au sol. Il doit trouver le moyen d'alerter ses amis. L'éclater, c'est tout, pas de soucis. Fuite, survivre, on va l'éclater. Là, il est tellement chaud.
Nani ? Oh, elle fait chier avec ça, mais... Zai ? Ouais, c'était bon, ça. C'était pas mal du tout. Je cherche le Kamehameha. Quoi ? Il a aspiré mon Kamehameha ? Ah, je crois qu'il allait faire... Il y a une autre boule de cristal. Dégage, allô, vite. T'es où? Ah, nom de Dieu, non, vite, envole-toi, merde. Voilà, boule de cristal. Tellement puissant Krillin. Celui-là qui a vraiment une excellente puissance dans Dragon Ball. Dragon Ball Z. Il a suivi le même entraînement que Goku. Après il s'est battu contre Frieza et tout, donc c'est pas un mec à négliger. Hein. C'est bon, c'est terminé. On a tenu le coup. Krillin a découvert le labo, il concentre son énergie pour donner l'alerte. Les super guerriers comprennent le signal de Krillin et s'empressent de le rejoindre. Allez, on enchaîne directement avec Vegeta, normalement qui doit affronter C18 et se faire éclater au col, hein, bien entendu, hein, c'est à cet endroit-là, sur l'autoroute. Sur la route du col où il se fait péter le bras, cinématique très intéressante à voir dans le Budokai premier du nom, version GameCube ou PS3 ou PS2. Alors nos héros arrivent au labo et trouvent C20. Et le docteur Gero tué par C17 et C18. Alors là, il y a un gros problème. Il y a un gros problème de traduction. Parce que C20 et le docteur Gero, c'est la même personne en fait. Donc, pas mourir deux fois. Donc, il y a un problème. Pour couronner le tout, un troisième cyborg C16 est activé.孫悟空のところよ。殺しにね。やはりせよ。だが行くことはできんな。この俺が貴様らを片付けてしまうから。サイヤ人というのはどうも自信過剰だな。半端な奴ほど早死にすることになる。人形のくせにガタガタ抜かしやがって。ラグナにしてやるぜ。こいつからだ。 言っておくが、俺は女だからといって容赦はせんぞ。と言っても人造人間だ。女じゃないか。
驚いた。ドクターゲルの言っていた情報とは大違いの強さじゃないか。ベジータか。大したやつだ。チッ、カラクリ人形じゃダメージがあるのかどうかも分かりゃしない。ならバラバラにしてやる。二度と笑えないようにな。どうやら思った以上に素早いようだな。Allez, c'est parti pour le combat après cette magnifique cinématique qui reprend les événements de l'anime. Hein. Franchement, très très bien mise en œuvre. Hein. Bon, pour l'époque, techniquement, c'est pas très impressionnant, mais pour l'époque, c'était vraiment très très bien. Quand tu mettais le jeu pour la première fois dans ta console, tu tombais dessus, tu disais oh la vache. Il y a eu un effort quand même au niveau de la scénarisation des chapitres. Ok. Elle m'a fait une feinte de chope, elle m'a donné un coup, elle m'a rechopé après. C'est terminé. Adieu C18. En dépit de ses super pouvoirs, Saiyan Vegeta est complètement dépassé par C-18. Quelqu'un peut-il tenir tête à ses impitoyables ennemis ? Courant la rescousse, Trunk se lance dans la bataille qui tourne au pugilat. C'est parti directement, ok, donc on prend Trunk. Paf. Hop. Tenchin Han. Allez, c'est parti. On doit gagner ce combat. Alors, j'espère que je vais pas galérer comme dans l'histoire de Trunk l'épisode précédent parce que sinon ça m'agaçait. Mais là, normalement, je contrôle beaucoup mieux Trunk que le dernier épisode. Je sais mieux utiliser son épée. Là, en fait, en plus, là on a de la rouge-couche donc. Oh, il recommence. Oh, je déteste ça. Combinaison cybernétique. Possible, ce mec c'est un dangereux. Hein. Ah,
tellement dangereux le mec. Oh la vache, on a bien eu, là. C'est téléporté, il a lancé la combinaison cybernétique, je pouvais rien faire. Donc j'ai quasiment une barre et demie. Nani? Oh la vache, le mec attend. Il est 2000 en vitesse ou quoi? Mais qu'il enchaîne ses attaques sans pression comme ça. Non ! C'est terminé. Désolé Trunks, tu n'as pas encore le niveau pour battre C17 et C18. Va falloir aller dans la salle d'esprit du temps, laisser pousser les cheveux et devenir Super Trunks. Bon là normalement là j'ai un fou de la technique, un fou du combat avec une bonne portée que ce soit au niveau des bras et des jambes. Ça va pas se passer de la même façon. C'est terminé, adieu. T'envoie ta balle cosmique. Ah oui, ils s'en prend plein la gueule là, vous avez vu ça? J'ai dit, comme je vous dis, il y a des personnages qui sont vraiment très très forts dans le jeu. Et Piccolo en fait partie. Ah, j'ai oublié qu'ils étaient auto-guidés. Voilà, terminé. Hein. On a maîtrisé. J'aurais dû prendre Piccolo dès le début, je pense. Ça aurait évité à Trunks de subir une écrasante victoire. Et non. Oh, 119, 100... Alors que Piccolo il est moins puissant là en termes de niveau que Trunks, mais. Tellement fort ce mec. De base il est trop fort, c'est pour ça donc tu peux éclater les ennemis assez facilement. Les cyborgs battent nos héros facilement puis reviennent à leur objectif premier, Sangoku. À cet instant, sentant venir un mal encore pire que les cyborgs, Piccolo fusionne avec Dieu.